suis contrebassiste. Je joue de la contrebasse depuis l'âge de 12 ans et je joue dans l'Orchestre symphonique de Mâcon depuis environ les années 2000. Alors, la contrebasse fait partie des instruments à cordes et plus spécifiquement des cordes frottées, puisque avec cette baguette, qui s'appelle un archet, je vais frotter les cordes de mon instrument. Alors, parfois, on dit aussi que la contrebasse fait partie de la famille du violon, parce que regardez, on dirait un gros violon. Et les enfants adorent dire que la contrebasse, c'est un gros violon. Mais moi, je préfère dire que c'est le violon qui est une mini contrebasse. Alors, la contrebasse, c'est l'instrument qui joue le plus grave parmi les cordes. Alors, il joue une ligne de basse. Alors, regardez, dans l'orchestre, les violons, la flûte, la clarinette jouent souvent des mélodies. Il y a d'autres instruments qui ont un rôle d'accompagnement. La contrebasse, elle joue des lignes de basse. Alors, parfois, on donne la mélodie à la contrebasse, mais c'est plutôt rare. Alors, dans l'orchestre, les contrebasses se trouvent à la droite du chef d'orchestre, au fond, derrière les violoncelles. Alors, le rôle de la contrebasse, c'est dit dans son nom, elle joue des lignes de basse. Certains instruments ont un rôle mélodique, le violon par exemple, la flûte, la clarinette. D'autres instruments ont un rôle d'accompagnement. Eh bien, la contrebasse, elle a un rôle de basse le plus souvent. Mais parfois, il arrive aussi à la contrebasse de jouer des mélodies. Alors, ce que j'aime dans la contrebasse, moi, c'est un instrument atypique. Il est énorme et ça m'a tout de suite plu. Mais ce qui me plaît aussi dans la contrebasse, c'est qu'on peut jouer plusieurs styles de musique. On peut jouer dans l'orchestre, de la musique classique. Mais j'ai été aussi attiré par ce qu'on appelle les pides. Et les pides, on les joue surtout dans le jazz. Et voilà ce qui m'a plu, c'est qu'on peut jouer du jazz et du classique avec la contrebasse. Vous pouvez découvrir la contrebasse au Conservatoire Edgar Varèse à Mâcon.